Wesh. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de deux nouvelles chichas de chez Dicini, donc la Pico et la Chucky. Et ouais les gars, Chucky, ça rappelle l'enfance, ça rappelle le film, ça rappelle la poupée, ça rappelle DJ Amida. On pourrait en dire tellement. Donc, on a plusieurs versions niveau coloris, niveau vase, etc. Donc, pour la Pico, qui est au prix de 64,90€, donc ça, c'est le prix allemand. J'espère qu'en France, ça sera le même prix, parce que c'est pas encore trop arrivé en France. J'espère que ce sera le même prix, sinon, ça sera 10€ plus cher. Mais on va se baser sur le prix allemand, en espérant que c'est le bon prix, parce que c'est vrai que ça change entre l'Allemagne et tout. En Allemagne, c'est moins cher sur son site directement d'Itchini, sauf qu'il y a 15 balles de frais de port. Donc, ça rattrape les prix français. Donc, comptez peut-être 10€ en plus, mais dans tous les cas, c'est très abordable. Donc, 64,90€ pour la Pico, qui est disponible du coup en grise, en silver, comme là, je vais la déballer, et en noir. Donc, c'est le même prix pour les deux. Pour la Chucky, qui est juste ici, que j'ai en noir, en full black, que ce soit le vase et en... Et vase noir et colonne noire, en fait, il y a 4 combinaisons. Il y a la silver avec vase classique, donc clear sans rainure, etc. Et le côté X-Series, rainure un peu cristal, ils appellent ça cristal. Donc ça, c'est au prix de 64,90€. Que ça soit la silver cristal ou la silver sans ce côté cristal, donc gravure. La noire, que ça soit le vase lisse ou que ça soit le vase cristal, donc la claire rainure, c'est 69,90€. Donc voilà au niveau des prix. On va commencer à déballer la Pico. Donc hop, la Chucky, on se revoit après. Donc pour l'unboxing, c'est assez simple. Au niveau du packaging, on a un packaging Dicini classique. La photo de la chicha ici. C'est écrit Pico Silver là. Voilà la photo. Hop, ça se trouve comme ceci. Et là, on retrouve le carton qu'en penser. Hop, on enlève ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'assiette, connecteur 18-8, le connecteur Turon 14-4, la base, le vase, la soupape, le plongeur, la colonne et la... On va vous expliquer. C'est aux yeux, colonne, prenez deux colonnes. Alors, je vous avais fait un test, bah, c'était le dernier test que j'avais sur ma chaîne, sur la Mister Chicha Rocket 2.0. Sans Goku pour préciser, et vous avez dit qu'en fait au niveau de la colonne carbone, bah c'était tout simplement un camouflage, en fait ça camouflait l'intérieur qui était tout simplement la colonne et un tube en métal classique. Bah en fait elle a fait pareil. Alors à quoi ça sert en soi, peut-être pour au niveau longévité de la chicha, pour que ça dure plus longtemps, pour qu'elle vieillisse moins vite. En fait on a cette partie là, donc c'est composé en trois parties. On a une colonne classique, si je fais tout tomber ça va pas le faire. Une colonne classique comme ceci, avec le 18-8 du coup qui vient se visser ici. Hop. On a un autre pas de vis ici, et du coup on a la colonne qui est en alu anodisé et qui est assez bien fini, on va reparler juste après. Et en fait ça rentre dedans, comme ceci. Et là après, on vient mettre la base, on vient mettre le plongeur et ça scelle le tout en fait. Le fait de visser la colonne au plongeur, c'est ça qui va fixer entre les deux. C'est un peu comme l'octopus, je dis, donc c'est pas mal, mais il faut faire quand même attention. Donc voilà, en fait ça rentre dedans. Comme ceci. Qu'est-ce que je pourrais dire déjà au niveau de la finition de l'alu anodisé, ça a été un petit peu poli, ça a été un petit peu polish tout simplement. C'est super joli. La finition, franchement, au niveau qualité, hop, en prenant juste ça, non, là, franchement, la finition elle est ultra propre. Parce que c'est vrai que un des best-sellers de chez Dicini qui a vraiment bien marché aussi, c'était la Flex. J'ai Dicini au prix de 89€ pour les premières et après 99€ pour les suivantes. Et c'est vrai que niveau qualité, c'était pas mal. Là, on revient sur des chichas à 65 balles pour vraiment ajuster le prix, 70 balles maximum. Franchement, top. J'avais du mal en fait quand il les a présentés en photo et vidéo un peu partout. Et en fait le fait de les voir en vrai, c'est pas trop mal. Surtout au niveau qualité, en fait ce qui est lourd chez lui, c'est que il améliore la qualité, mais il gonfle pas les prix, il les descend. Va comprendre, normalement c'est que tu augmentes la qualité, tu augmentes les prix. Voilà, mais non franchement c'est cool. Donc voilà, on va la monter. Ça rentre dedans, on a du coup la base en backplate. Donc c'est cool, ça va vider complètement la fumée du vase. Ouais franchement la qualité, enfin la finition en tout cas, j'adore totalement. Le plongeur qui est assez gros, qui est beaucoup plus gros que la Flex, donc ça va pétouiller. On peut mettre un diffuseur avec, si on arrive à le faire rentrer dans le vase, ou un diffuseur avec des joints toriques. Mais la base de cette chicha, c'est reprendre du coup le tirage de la Flex en fait. C'est d'avoir une chicha moderne au niveau de l'esthétique, mais un tirage traditionnel. Donc les personnes qui n'aiment pas les tirages à remous,
cette chicha est pas faite pour vous, sinon achetez un diffuseur. Donc là, comme je vous ai dit, vous dévissez le plongeur, ça part. Tout part avec, vous pouvez voir. Donc en fait, c'est comme le Octopus, quand vous vissez le plongeur, ça scelle le tout. Donc ça, il faudra faire quand même attention. C'est... voilà. Le vase. Au niveau du vase, il est assez fin. Il est très bien fini, il n'y a pas de bulles, tout lisse, franchement magnifique. Après, niveau épaisseur du verre, il faudra faire attention, ça reste un. Bon après, ça reste du verre, fait tomber, ça se casse. T'as eu peur, je sais, moi aussi. On a un joint truc ici pour faire l'étanchéité, on l'appuie à l'intérieur, ça c'est top, et on appuie sur le dessus, la colle là, c'est bien fini, ça c'est bien collé, ça bougera pas. Hop, du coup système clic, on rentre, un quart de tour, oh, c'est top, ça se ferme super bien. Cool. Qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? On a du coup la soupape et le connecteur tuyau, donc pareil, comme la flex, ça rentre directement, là c'est en 14-4, du coup ça rentre sans joint. Et du coup on finit avec le 18-8 avec l'assiette. On a un joint inter aussi qui est fourni avec, bon ça on s'en fout. Et voilà, donc le 18 comme ça. Et voilà la chicha une fois montée. Donc elle est disponible en noir. Et franchement pour une fois j'ai pas choisi les couleurs quand ils me les ont envoyées. Et je suis content d'avoir celle-ci en grise, en silver. Parce que franchement la noire j'adhère pas du tout. Après c'est question de goût et couleur. Donc voilà pour 64,90€ on a ça. Donc soit fourni sans tuyau, sans foyer. Mais franchement c'est cool. De toute façon on la testera, on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Parce que pour l'instant c'est que l'unboxing. On va passer à la Chucky. Alors viens ici ma belle. Boum. Pareil au niveau du packaging, carton de chez Disney qui fait aussi aux boîtes de transport avec la petite lanière, ça c'est cool. L'image de la chicha ici, donc celle-ci je l'ai en noir. Celle-ci en noir je n'aimais pas du tout, silver je préfère. Celle-ci, j'aurais choisi moi-même, j'aurais pris la silver parce que je préfère. Mais en noir je l'ai vu une seule fois, en vrai j'ai juste déballé et remballé ce que j'ai reçu à la boutique. Ça va, franchement j'aime bien. En noir j'aime bien, ça change. Après vous me direz laquelle vous préférez. Préféré entre bah, du coup la Pico noire et grise et du coup la Chucky en noir ou silver et vase lisse ou vase tout simplement avec des gravures. Donc voilà, waouh, par contre le poids ouais, ça n'a rien à voir. Même niveau épaisseur, ah non là on est vraiment sur... pourtant on est sur un prix à peu près pareil quand 64,90€, bon celle-ci à 69 mais je pense que niveau d'épaisseur du verre c'est pareil sur la silver. Waouh. Là, c'est bon, c'est très joli. J'avais du mal en fait avec ces gravures comme la Mio, j'avais vraiment du mal. C'est quand même un peu mieux fini. Là, ça va. Ça va. La Mio, j'avais du mal. Ça ressemble un peu à la Mio ici. Par contre, en dessous, c'est super, super joli. Franchement, ça fait penser au s'il y a des Polonais qui me regardent. Moi-même, je suis Polonais, ça fait plaisir si vous me regardez. Chez votre grand-mère, obligé, vous avez une bonbonnière. On appelle ça comme ça. Enfin, pas vous mettez ce que vous voulez dedans. Une bonbonnière qui est gravée, etc. Cristal et tout. Et. Dites-moi si ça vous fait penser à ça. Si t'as reconnu, dis-moi en commentaire. Bon, je dis Pologne, mais plein d'autres pays où il y a ça. Mais voilà, dites-les en commentaire. Non, franchement, le dessous est super joli. Ah, j'avais pas vu ça. Non, franchement, ça va. Je suis assez méchant quand je disais que c'était dégueulasse comme la Mio. Parce que la Mio, bon, 130 balles, oh, ça peut aller encore. Celle-ci, pour le prix de 70€ et l'autre 65. Ça va, surtout le vase est assez épais. Le noir, ça que j'aime bien en fait, c'est pas noir noir, c'est noir un petit peu fumé, donc on voit à travers. La bague assez bien collée aussi, on a le joint, système clic. Non, franchement, c'est cool. C'est quand même bien fini. Après, du coup, comme je vous ai dit, on a toujours la colonne avec hop, le connecteur là, et ça c'est le plongeur, la colonne là. Donc on vient visser ça avec le 18-8, hop, ça rentre directement dedans. Voilà, c'est la même chose pour celle-ci. Bon, par contre, la base... vous avez reconnu la chicha, voilà. Il a un petit peu copié Wuka. Voilà, ça rentre directement dedans et après avec le plongeur qui est aussi badass et très long. Hop, on vient visser là. Et c'est vrai que ça fait pas. En fait, elle est pas là. En fait, vous voyez pas toutes mes chichas ici. Là, il y en a déjà beaucoup, mais vous voyez pas parce que là j'ai encore des étagères. Et chercher une chiche. Ouais. Comment elle s'appelait? Je me rappelle plus. La Rookie. La Disney Rookie. Il a repris ce côté-là parce qu'il avait déjà copié la Wuka au niveau design de la base et de la colonne, au niveau rien que design, parce qu'après ça n'a rien à voir, hein, Wuka c'est en bois, mais c'est vrai que
c'est pareil que la rookie. Je vous mettrai une photo pour vous montrer, mais en plus petite, c'est déjà un peu plus joli. Mais faut arrêter de copier là. Niveau esthétique, la grande, j'aimais pas celle-ci, ça passe encore. Backplane, ça c'est cool, on rentre directement dedans. Hop, ça s'insère dedans et là, on tourne, ça bouge plus. Même principe, on a un joint, je laisse dedans, on a l'assiette. On a le 18-8, on a le connecteur tuyau et on a la soupape. Donc voilà, quand je vous ai dit traditionnel, moderne, c'est qu'on a un look moderne mais un tirage traditionnel. Bah voilà, niveau du look moderne, il a apporté cette petite touche de connecteur et de soupape qui rend du coup en 14-4 comme ça sans problème, qui a un look un petit peu tradi, qui fait penser aussi à la, au connecteur et à la soupape de MIG. De la MIG tradi. Oui. Voilà. Donc voilà la team pour le déballage de la Dicini Pico et la Dicini Chucky. Franchement, j'avais du mal, j'aurais pas choisi un or moi personnellement, mais en soi, non, je suis pas mécontent. Ça va changer et en soi, elle est jolie. Par contre, je suis sûr qu'en fait, pour les gens qui veulent se foutre de ma gueule, la Mister Shisha, j'hésitais entre la Joker et la Sengoku pour pouvoir la mettre dans mes décors, pour que ça rentre là-dedans et pour que ça fasse joli en fait. Et je me suis dit, la Dragon Ball, Joker, ça va être joli, vas-y, fuck, je prends la Dragon Ball. Et au final, elle rentre pas dedans, c'est pour ça que vous la voyez pas. Elle rentre pas dans l'étagère. À part au-dessus, mais bon, ça passe pas trop. Et celle-ci, ça passerait à 118, voilà. Donc je pourrais pas les mettre dans le décor, malheureusement. Celle-ci, bah, j'en parle même pas. Ou peut-être là-haut. Et voilà, du coup, pour le déballage de la Pico et la Chucky, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, donc que ce soit la Pico Silver ou la Pico Noire. Tout simplement, imaginez-la en noir, je vous mettrai des photos dans tous les cas. Et celle-ci, si vous les préférez en Silver, en noir, ou si vous préférez, je roule la combinaison, vous dites directement genre Silver, Vase Lisse, ou Silver, Vase X-Series, on va appeler ça comme ça, Vase Crystal, il l'appelle ça lui. Ou la noire avec le vase lisse ou le vase cristal. Moi personnellement, c'est vrai que les deux j'aime bien. Je me suis fait. Celle-ci, j'aurais pas pu la prendre en noir, celle-ci en silver. Oui, mais au final en noir ça passe super bien. Donc voilà team, on se retrouvera prochainement pour le test de cette chicha là. Donc voilà, j'ai fait un unboxing des deux en global parce que faire un unboxing sur celle-ci et après celle-ci, deux vidéos, c'est un petit peu abusé. Voilà, unboxing, je sais que vous aimez ça, mais faire deux unboxing pour deux chats comme ça, non. Pour ça, j'ai regroupé les deux unboxings en un. Par contre, pour le test, oui, il y aura un test de la Pico à part et un test de la Chucky à part. Donc moi, je vais la tester pendant déjà plusieurs semaines, voir ce qu'elle rend, niveau longévité, etc. Si au niveau... déjà, je vais après la fin de la vidéo, là, je vais lancer une session et je vais la tester. Par contre, laquelle je vais faire mon premier... Faut pas en demander trop. Faut pas en demander trop, franchement je sais pas. Je pense que peut-être commencer. Ah je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour le test de la Chucky et la Pico, la team. D'ici quelques semaines, tout simplement, le temps de voir un petit peu ce que ça donne si elle tient dans le temps. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo, lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne secondaire. On se retrouve prochainement de d'autres vidéos autres que les tests de ces deux chichas là. Et moi je vous dis allez, peace la team. Golden, it will go.